votre émission L'après-midi des stars sur la chaîne Atomic TV. Yo, salut, c'est Sacré, on est à Golden Eye pour le clip. Donc merci au cadre, c'est joli, parfait, magnifique. On est au paradis, la tête dans les nuages, les pieds sur terre. On est ensemble, Golden Eye. J'ai fini une phrase. On est déjà né. Ce collier en guise d'amour et de ma fidélité pour toi. Je t'aime un million. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission La vraie vie des stars sur la chaîne Atomic TV. Nous allons à la quête de cette jeune rappeuse qui fait actuellement parler d'elle dans la capitale, je dirais même dans tout l'Ogone. La réalisation de son nouveau clip, c'est tout de suite avec Atomic Corporation. L'arrivée de chez Millie Parker pour le grand tournage en toi-même, tu sais, toi et moi contre le monde. Et voilà le nouveau clip qui s'annonce de la go à la mentalité sans cara. Je l'appelle la Millie Parker. Elle est là, on est là. Atomic Corporation, c'est tout de suite. Suivez le regard, check it. Nouveau décor, nouveau look, nouveau finish, on est au portail de Millie Parker, là je l'appelle la tigresse de la musique, du rap togolais. Voilà, on est à sa devanture, on l'attaque, on la fait sortir, on va jusqu'au lieu du tournage. Vous êtes prêts? Ready? On y va. Millie, bonsoir. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Super. Enfin, avec l'harmattan, c'est vrai que je suis un peu trop fraîche pour la caméra et tout. Mmh, mais ça t'arrange en fait. Hein. Voilà, en fait, on est à, je dirais, 30 minutes de tournage de ton nouveau clip, Toi et moi contre le monde. Finis, impression, comment tu te sens, le timing, le tempo, ça va? Oui, ça va. Tu t'en sors? Je me sens, je suis déter et tout. Je suis un peu posée vu la chanson. Mmh. Bon, je vais pas vous parler du son vu que c'est une surprise et tout. Justement, moi je voulais en venir au son, mais bon voilà, comme tu veux, on coupe court, tranquille. On va voir ce que ça va donner. On est avec toi à la chaîne, je l'appelle Atomic TV. On est avec toi aujourd'hui, Prince Azaz, je suis avec toi. Prino, c'est également là avec toi. On y va, Millie Parker, c'est tout de suite. Si toi et moi contre le monde, n'écoute pas ce qu'ils disent. Depuis que je t'ai connu, c'est la lune que je vise. Tu sais que je suis à toi et que c'est vers sa vice. Je n'ai besoin de personne d'autre et je suis pas versatile. Toi et moi contre le monde, c'est toi et moi contre le monde. Cédric disait, toi et moi contre le monde. C'est toi et moi contre le monde. Il lui disait, j'aimerais vous parler d'amour. Salut, moi je m'appelle Marie-Eunice. Je suis une actrice dans le clip de Millie Parker. Bon, j'espère que vous allez beaucoup le regarder hein, parce que ça sera pas n'importe quoi du tout. On va bien s'amuser et tout. Bon, pour l'instant on vient de commencer là, on s'amuse plutôt pas mal. Bon, j'espère que la suite sera meilleure et surtout restez connectés. Pour l'amour, rend aveugle, la ligne n'a pas vu d'objection. Et ils ont fait mon jouet, bien sûr sans protection.
parti. Merci d'avoir détruit l'harmonie d'une vie. Donc, merci beaucoup. Voilà. À part ça, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je vous laisse la chambre encore pour le second bébé. Merci. On est dans l'ambulance, il fait chaud et tout. On vient de prendre ma tension aussi, tu vois, et les mérites d'un clip bien Marie, fait. Marie, tu peux te lever, hein, tu n'es pas malade. Hein? Lève-toi. Je suis malade, c'est bon. Hein? Je suis malade. Salut, ça va? On dit quoi? C'est bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Vas-y. Maintenant arrête-toi, voilà, touche la tête, voilà, tourne-toi, fais merde, voilà, enlève le sac, bouge, faut tout m'enfondre, voilà. Viens, je ne peux pas vivre avec, je préfère repartir. La première partie, le tournage avec Millie Parker, le nouveau son qui se prépare à toi et moi contre le monde. Carrément, tu t'es senti comment lors du tournage? C'est comme j'avais dit au début, de terre quoi. Genre, c'est pour conscientiser, du coup, il faut que ça percute. Donc, j'étais déterre. J'aurais voulu te voir toi-même en tant qu'actrice, te voir... Oui, bon, moi je l'ai dit, hein, je l'ai proposé à To, mais il a dit non, bon, parce que je sais pas quoi. Mais je sais quand même que j'ai des talents d'actrice et que j'irai à Hollywood. Voilà. Ouais, en fait, avant d'aller à Hollywood, une petite question. Ouais. Toi et moi contre le monde, c'est ça? Ouais. Une histoire vraie? Non, bon, vraie, mais pas vécue. Une histoire vraie, pas une histoire vécue. Donc, il faut quand même que les gens fassent la nuance. Une histoire vraie, mais pas une histoire vécue. En l'occurrence, pas par moi, quoi. Donc, voilà. C'est une histoire vraie d'autrui. Oui. Que tu as reporté. Mais de toute façon, tu as toujours tes jambes. Donc, Oui, bien sûr. Voilà. voilà. C'est la preuve. Ok, super. Alors, on se dit merci. Merci à tous. Ouais, merci, Fazal. Merci. Toute l'équipe. Voilà, super. Le rendez-vous, c'est pas fini en fait, ça continue. Ouais, ça continue. Ça, ce n'est qu'une partie en fait du tournage. Ouais. On continue après. Ouais. Mais pour le moment, la vraie vie des stars, mesdames et messieurs, on se check toujours par les hommes. Toi et moi, contre les hommes. C'est toi et moi contre le monde. N'écoute pas ce qu'ils disent. Depuis que je t'ai connu, c'est la lune que je vise. Tu sais que je suis à toi et que c'est vers sa vis. Je n'ai besoin de personne d'autre et je suis pas versatile. Toi et moi contre le monde. C'est toi et moi contre le monde. Cédric disait, toi et moi contre le monde. C'est toi et moi contre le monde. Il lui disait, j'aimerais vous parler d'Aline. Une fille, très bien, l'espoir de sa famille. Une perle rare pour les terriens. Elle était douce, belle et pertinente. Elle n'aime pas qu'on dise surdouée, alors elle était intelligente. Orpheline de mère à 15 ans, son camarade. Elle vivait avec son père, mais aussi avec sa marâtre. Nouvelle dans son lycée, c'est son entrée au secondaire. Elle ne connaissait personne, donc personne ne la secondait. Et maintenant voilà qu'elle rencontre Cédric. Se dit que ce gars-là connaîtrait tout de l'éthique. 18 ans en terminale, il avait tout d'un bon gars. Il vivait sa vie et elle faisait son combat. Quelques temps de bonne entente et les mots d'amour adviennent. Il lui promet la lune et même des voyages à Vienne. Il dit que leur amour n'irait jamais à la poubelle. Qu'il n'était pas musulman mais qu'il prierait bien Allah pour elle. Elle aussi l'aimait donc elle ne put qu'accepter. On parle de maladie d'amour, Aline aussi fut infectée. Cédric lui offre des cadeaux pour lui prouver son amour. Mais vu que rien n'est gratos, qu'allait-elle faire en reçu? C'est toi et moi contre le monde. N'écoute pas ce qu'ils disent. Depuis que je t'ai connu, c'est la lune que je vise. Tu sais que je suis à toi et que c'est vers sa vis. Je n'ai besoin de personne d'autre et je suis pas versatile. Toi et moi contre le monde. C'est toi et moi contre le monde. Cédric disait, toi et moi contre le monde. C'est toi et moi contre le monde. Il lui disait, un soir chez Cédric, on l'a
l'absence de ses parents. Cédric propose de jouer à papa et à maman. Cela d'après lui allait sceller leur amour. En fait, ça voulait dire qu'ils s'aimeraient pour toujours. L'amour rend aveugle, la ligne n'a pas vu d'objection. Et ils ont fait mon jouet, bien sûr sans protection. Quelques temps plus tard, Aline voit que ça ne va plus. Ça fait déjà 2 mois qu'on bat elle, il n'a pas plu. Les cris de papa, la déception de la famille. Aline n'a pas le choix, il faut vraiment que ça se règle vite. Faut que tu avances si tu veux toujours qu'on s'entende. Est-ce que c'est ce qu'a dit? Donc Aline était consentante. Malheureusement l'avortement ça n'a pas marché. Aline perd ses jambes, désormais elle peut plus marcher. Boom fire, c'est encore Millie Parker. Boom fire, original ragamuffin. C'est toi et moi contre le monde. Je veux plus que tu me le dises. Ça n'a duré qu'une seconde, fallait que tu précises. Maintenant que je suis plus bien, qu'est-ce que mon père va dire? Je ne peux pas vivre avec, je préfère repartir.